La famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, nouvelle vidéo en partenariat avec Bouvi. Ils m'ont envoyé un nouveau produit, on va l'unboxer, on va parler du produit, d'ailleurs on va même le connecter via l'application. Vous allez voir, c'est une lampe, elle est totalement différente que celle que j'ai présentée dans ma dernière vidéo, la lampe Aura. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le lien s'affiche en haut dans la vidéo. Et c'est pareil, profitez les gars, j'ai des codes promotionnels, moi je me bats pour les garder. Regardez, pour cette lampe Aura, vous avez moins 20%. Pour le kit TV Immersion qui est installé sur la LG, vous avez moins 20%, et pour les rubans LED RGBIC 5 mètres et 10 mètres, vous avez également 20% de réduction. Et surtout que la promo des fêtes des pères est terminée, donc c'est vraiment le moment d'utiliser mes codes promotionnels. Et vous êtes beaucoup à me demander de présenter le kit Bouvi Flow Pro Lightbar. C'est un peu l'équivalent, pour ceux qui ne savent pas, des Philips Uplay. Alors vous inquiétez pas, la vidéo sortira le 13 juillet. Laissez-moi juste le temps de préparer la vidéo, que Bouvi recharge ses stocks. Comme ça, le 13 juillet, les gars, vous aurez du stock et vous aurez la vidéo de présentation du kit là. Ah oui, et les gars, je suis tombé sur des produits Bouvi, ils sont terribles. Bon, pour le moment, c'est réservé au marché américain. Je fais tout pour les recevoir ici et vous les présenter. Et qu'un jour, pourquoi pas, ils soient disponibles donc en France et en Europe. Alors, vous avez une lampe haute qui est terrible. Mais surtout, moi, ce qui me rend malade, c'est un kit de 6 réglettes lumineuses avec également un coude. Donc, par exemple, si vous voulez mettre à votre mur sur le tour de votre écran. Bref, vous avez plein de combinaisons possibles. Je vous mettrai d'ailleurs quelques petites photos de ces produits-là. Hein. Donc, c'est la lampe Lyra pour ceux qui veulent faire leur recherche. Et pour le kit de réglettes, c'est le Bouvi Glide Wall Light. Voilà, c'est vraiment fait pour votre mur, habille votre mur. Bon, les gars, sans plus tarder, on va passer à l'unboxing de ce magnifique produit. Comme je disais tout à l'heure, c'est une lampe de table que vous pouvez mettre dans votre chambre, dans votre salon, peu importe. Elle a sa place à la maison. Alors on retrouve les petites notices. Bon, déjà c'est déjà très bien protégé, vous avez vu. Là on a quoi? On retrouve dans la boîte donc le contrôleur. Alors ce qui est génial, c'est qu'on a aussi un contrôleur musical. Là on voit ici l'entrée micro. Et en plus de ça, connecteur type C. Donc c'est parfait, fini micro USB chez Bouvi. C'est magnifique. Et puis là on a tout simplement le petit transfo. Et en plus de ça les gars, on a une très belle longueur. Voilà, on a au moins 2 mètres de câble avec le contrôleur branché. Ah les gars, elle est magnifique. Sérieusement, elle est très belle. Vous avez vu, hein, c'est pas du tout le même design que la lampe Aura. Et là on retrouve un cylindre en aluminium, quoi, en métal, je sais pas si c'est aluminium, qui est perforé. Donc ça donne vraiment déjà du charme même quand la lampe est éteinte. C'est une base qui est en plastique mais qui est très jolie. Ici derrière on retrouve donc le connecteur d'alimentation donc en type C. Et puis là en dessous vous avez en fait des grippes en caoutchouc pour vraiment que la lampe ne bouge pas, quoi. Donc déjà sérieusement elle est super épurée cette lampe. Vous avez vu, c'est vraiment un style différent des lampes Aura. Sur la base vous avez aussi un contrôle tactile. Donc qui est en plus rétroéclairé, donc c'est super joli. Voilà, par exemple, on peut l'allumer. On peut également diminuer l'intensité et également l'augmenter. Et là, on a les différents modes de couleurs. En tout cas, c'est bien, on a un contrôle tactile sur la lampe pour ceux qui ne veulent pas passer par l'application. Alors, une fois l'application ouverte, vous allez dans Ajouter, dans Indoor Lighting, donc les lumières d'intérieur. On retrouve notre lampe de table, donc nous c'est le modèle H6050. Pour ceux qui ont un doute, le modèle est inscrit derrière l'emballage. Connexion en cours. Là si vous voulez, on peut renommer notre appareil. On va marquer lampe bureau setup. Voilà, on fait OK. Pensez bien à enregistrer votre Wi-Fi, c'est super important pour un contrôle via Alexa, Google Home et également pour les mises à jour des produits. Donc là les gars, vous l'aurez compris, on est sur le mode musical. Vous avez la possibilité d'ailleurs d'utiliser soit le microphone intégré au contrôleur ou alors vous pouvez aussi switcher avec le microphone de votre iPad. Vous avez également le mode scène. Donc c'est pareil, vous avez différents modes, hein, donc éclairage de nuit, effet bougie. Romantique, océan, crépuscule, forêt, dégradé, énergique, aurore, feu, désert. Donc
là c'est pour les effets qui sont pré-enregistrés. Et vous avez aussi, toujours pareil, un mode DIY que vous pouvez tout simplement créer. Alors dans l'ensemble, c'est une très jolie lampe. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment cette base cylindrique qui est perforée, qui est en plus en métal. Ça diffuse vraiment bien la lumière. Sa lumière, elle est douce, elle n'est pas aveuglante. Sous la base, on retrouve un contrôle ici qui est tactile, qui est également rétroéclairé. C'est une lampe qui est connectée donc, via Bluetooth, Wi-Fi et contrôlée via Alexa et Google Home. Donc ça, c'est toujours un super point. Et c'est aussi la base des produits Groovy. Et du coup, c'est une lampe que vous pourrez appliquer soit dans votre setup, dans votre chambre sur une table de nuit, dans votre salon. Voilà, elle a vraiment sa place partout. Donc vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette lampe. Moi, en tout cas, j'adhère. Après, s'il y aurait une petite amélioration sur la lampe, c'est vraiment d'intégrer des puces IC pour avoir en fait des LED adressables. Et ça aurait permis d'avoir plus d'effets lumineux. Et les frérots, si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, à être abonné également à mon compte Instagram, super important. Likez la vidéo, partagez-la, commentez-la, c'est super super important. Là les gars, je crois qu'on est 3900 abonnés, donc déjà un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. C'est pour ça que moi je continue à vous sortir des vidéos les plus qualitatives possibles. Bon, j'ai encore plein d'efforts à faire, plein de choses à corriger, mais en tout cas, je fais tout pour m'améliorer, et ça c'est pour vous la famille. Puis on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao la famille. Got the dreams, I don't know what you mean. It's all